Bah, une dernière saison en 2003 où je finis 32e mondial. Et quand on a 34 ans, c'est pas suffisant pour aspirer à continuer dans un groupe national. Donc un arrangement avec mes dirigeants de ce moment-là qui me disent, ben voilà, si tu reviens, tu t'entraînes seul, tu reviens, tu es performant, tu vas faire la saison Coupe du Monde 2004. Et puis dans l'été, ben, je me blesse encore une fois en me disant que c'était peut-être le signal d'alarme. Et comme mes entraîneurs et dirigeants de cette période m'avaient dit, le jour où tu as besoin, on compte sur toi pour venir dans notre équipe, ben voilà, je suis rentré à la fédération en tant qu'entraîneur de la Coupe d'Europe garçon, dans la foulée, donc à l'automne 2003, pour faire ma première saison de coach 2004 avec la Coupe d'Europe garçon. Ensuite, j'ai été aussi à la relève et je suis passé en 2006 à la Coupe du Monde filles pour 5 ans. Avec quelques beaux résultats chez les filles, quelques podiums, avec Marie Marchand-Henriet, Ingrid Jacquemot, Marion Roland qui commençaient à pointer fortement le bout du nez. Et en 2011, je suis revenu chez les garçons pour dynamiser un petit peu la vitesse Coupe d'Europe. Et depuis 5 ans, j'étais responsable de la Coupe d'Europe garçon, sous tous ses angles.